Cette piste cyclable de 2 km située non loin du quartier de Sèges à Pessac est la première du genre à être équipée avec une signalétique au sol luminescente. Elle a été mise en service il y a un mois et demi pour un test grandeur nature. S'enfonçant dans les bosquets, elle ne bénéficie d'aucun éclairage public et pourtant une ligne blanche la dessine la nuit pour améliorer la sécurité des cyclistes. Je sais que l'hiver, je passais beaucoup moins parce que ici, enfin dans cette zone-là, c'est pas très bien éclairé, donc c'est un peu dangereux. Et quand j'ai découvert l'équipement, je me suis dit que ce serait justement intéressant que je pourrais continuer à passer là l'hiver. J'ai pas encore testé en pleine nuit, mais en tout cas, ça, quand c'était un peu pénombre, c'était déjà plus intéressant. Cette bande blanche emmagasine la lumière le jour et la restitue la nuit. Cette peinture a été mise au point par une société pessacaise, Olychrome. La luminescence n'est pas un procédé nouveau, mais le défi pour cette entreprise était de la faire durer dans le temps, permettre à la peinture de garder ses caractéristiques durant plusieurs années, et ce, malgré les intempéries météo. Si on prend un vélo, aujourd'hui, avec un vélo, on voit à peu près à 8 mètres devant nous. Et bien, grâce à cette ligne de piste cyclable, et bien, en début de nuit, on voit jusqu'à 80 mètres. Et en fin de nuit, on voit encore jusqu'à 30 mètres devant soi. Pour le moment, cette peinture luminescente est testée sur piste cyclable. Mais dans quelques temps, si elle obtient une certification, elle pourrait devenir un élément de marquage des routes en France. En attendant, d'autres expériences vont avoir lieu en 2019, selon la société Eiffage Route, qui va commercialiser cette peinture. Nous allons, dans un premier temps, en 2019, déployer un maximum de voies vélo telles que celle-ci. Aussi de signalisation verticale, on peut imaginer des piles de pont, des musoirs. Donc il y a un certain nombre de choses que l'on peut tout de suite faire et déployer sur le territoire sans limitation. La société Eiffage Route espère commercialiser cette peinture luminescente pour marquage routier en France et à l'étranger dès 2020. Un marché énorme pourrait s'ouvrir à elle. En France par exemple, il y a 1 070 000 km de routes dont la moitié ont un marquage routier. Il est renouvelé tous les 3 ans.